sur le site des Roches de Basse-Ville. Donc je suis Sylvie Kovac et je travaille à la communauté de communes des Vaudiennes en tant que chargée de communication et du tourisme. Pour faciliter la découverte de ce site aux gens, on a équipé le lieu d'un système d'audio-guidage GPS. Ce guide multimédia fonctionne comme un GPS de voiture, c'est-à-dire que sur le parcours donc, du sentier de découverte, vous êtes repéré grâce à un satellite. Et en fait, à chaque fois que vous arrivez à un numéro sur le parcours, il y a des images et un texte audio qui se déclenche et qui vous présente le site. Des roches ou de la végétation restera plus froid. Dans ce contexte, les chênes et les pelouses. Donc à différents points sur le parcours qui fait environ 1,7 km. Donc les gens viennent un petit peu de partout, non seulement pour découvrir les roches et leur formation, mais aussi pour faire de l'escalade ou de la spéléologie. Les gens peuvent également venir à vélo, puisque le site se trouve à proximité du canal du Nivernais et de la véloroute. Et donc il se trouve à la limite du département de l'Yonne, et donc au nord de Clamecy. Donc ce GPS guide multimédia est disponible gratuitement soit à l'office du tourisme de Clamecy, soit au gîte de séjour de Surgy. Donc il ne faut pas hésiter à aller le demander et à venir sur le site et le mettre en marche et suivre les indications qui sont installées dessus.